Bonjour chers amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes mercredi 14 février 2024, il est 18h25 donc je suis pas trop en retard. Par contre j'ai quelques jours de retard dans mes tirages mais voilà, j'ai repris le boulot aujourd'hui. Préparation de l'ouverture pour la saison 2024. Donc voilà, il fallait que je m'organise, il fallait que je me pose, il fallait que je réfléchisse, etc. etc. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait de tirage ni lundi ni hier. Donc j'ai repris le boulot aujourd'hui du coup. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est par rapport au tirage perso. Donc je vais les suspendre momentanément, mais je vous ferai un petit, une petite annonce, une petite vidéo ou quelque chose comme ça pour vous dire et pour vous dire à quel moment j'arrête et à quel moment je reprendrai. Ça c'est pour la deuxième annonce. La troisième annonce, eh ben, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, donc c'est la fête des amoureux. Mais voilà, je porte une attention particulière au fait que l'amour, hein, on doit se le donner déjà d'abord à soi-même, hein, que l'on soit célibataire ou pas. Je trouve que c'est déjà important. Et puis ben, c'est pas une fête que voilà, c'est pas voilà, j'ai rien de particulier pour cette fête-là. Il n'y a rien qui m'anime dans cette fête-là, malgré que je sois mariée depuis de nombreuses années, ça c'est pas le problème. Mais voilà, ça sent encore le commercial derrière et ça c'est pas trop mon kiff. Et surtout, voilà, surtout qu'on fête quand même un martyr, hein, quelqu'un qui est mort par amour. Hein, donc on va pas célébrer. Enfin, pour moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, ça ne regarde que moi. En tout cas, je vous souhaite d'aimer la vie déjà, de vous aimer vous. Ça, c'est le plus important. Le thème d'aujourd'hui, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Donc, pendant que je faisais mon petit traficotage, là, je me suis dit, on va aller faire un petit peu. La petite croix, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On n'a pas fait la croix des énergies avec... Ah, d'accord. Énergie masculine. Avec le jeu de 32, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Je l'ai laissé un petit peu au repos. Donc, on va aller voir ça un petit peu, ce qu'il nous dit. Et une consultante. On va parler d'hommes et de femmes. Ah bon. Alors, énergie masculine, énergie féminine. Ok. Et puis, ben, on va aller voir après avec les autres oracles, un petit peu jusqu'où ça nous amène. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi pour savoir s'il allait avoir la troisième... Le troisième conflit mondial, je vais l'appeler ça comme ça. On verra peut-être en fin de tirage, on fera le petit bonus. Et quelqu'un m'a demandé aussi où est-ce qu'en était la guerrière et l'officier du fait qu'on soit à la Saint-Valentin. Bon, je le ferai une autre fois. Ok, je le ferai une autre fois, peut-être un samedi où je serai un peu plus posée, où j'aurai un ancrage un petit peu plus travaillé, on va dire. Là, je vais m'ancrer juste aux énergies, là, au courant énergétique, hein, de ces jours-ci, des jours à venir. Ok, mais pour la guerrière et pour l'officier, j'ai toujours moi personnellement besoin d'une petite préparation et spirituelle et énergétique. Je sais pas si. J'espère que vous m'entendez, puis j'espère que vous allez bien surtout. Et j'espère que vous tenez le coup, hein, parce que je sais que c'est compliqué. Moi, personnellement, j'étais contente de reprendre du boulot parce que niveau finance, c'est la cata. Ben, comme chez tout le monde, hein. Les courses, c'est juste pas possible. Quoique moi, maintenant, bon, je vais au marché, j'arrive à m'en sortir un petit peu. Hein. Alors, il y a quelque chose ici, les énergies ici nous parlent de quelque chose d'inattendu ou d'une invitation. Ah, il y a quelque chose vraiment de rapide, hein. Il y a quelque chose qui va passer, pouf, comme ça. Hein. Il va falloir être attentif. Hein. On parle ici d'énergie féminine, il y a beaucoup de dames, il y a deux dames. Tracas, angoisse, santé. Alors, je vous avais parlé aussi il y a quelques temps de cet effet média où ils vont essayer de démonter toutes les vérités. C'est en train de se passer, les amis, surtout depuis que le journaliste américain est allé interviewer Vlad. Ok, donc là, ils essayent de tout démonter. Et ça, on l'avait vu aussi il y a quelques temps, hein, par rapport à ça. Donc faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous voyez, à ce que l'on vous raconte. Partez toujours du principe que vous avez, vous, votre propre intuition, votre propre vision des choses et vos propres ressentis. Hein. Je vous dis ça parce qu'ici, il y a quand même la carte ici du 8 de pique qui annonce encore beaucoup de soucis. Hein. Il y a beaucoup de soucis. Il y a quelque chose ici qui va...
une nouvelle qui va arriver, quelque chose d'inattendu et qui va nous mettre un petit peu dans le tracas. Hein. La carte ici, c'est l'énergie féminine, puisque je fais les énergies, mais la carte, ici, ça peut être aussi la France. Ça peut être ici un petit peu l'actualité aussi, hein, l'actualité. Ok? Donc là, en fait, la chose inattendue qui va arriver, notre objectif ici, c'est d'être attentif parce que ça va être rapide. Il va y avoir quelque chose qui va être rapide, il va falloir qu'on chope ça au vol. Ok? L'information au vol. Après, on n'est pas obligé. Voilà, on est en train de me dire, on n'est pas obligé non plus, mais si on veut être au courant des choses et puis être préparé à certaines choses, pour moi, je pense qu'il faut être attentif, mais ce n'est pas obligatoire, on est en train de me le dire. Ici, on parle aussi de quelque chose, on parle beaucoup d'union, hein, on parle beaucoup de notre union, de notre lien, et c'est un petit peu le sujet. On est en train ici un petit peu de démonter, de vouloir démonter tout ce lien, tous ces liens, hein, qui sont en train de se faire. Et on a l'énergie féminine vraiment par rapport à ça. Donc il y a un petit truc aussi avec la Lune. Et un petit truc avec Vénus aussi. La Lune, pourquoi? Parce que c'est voilà, changement d'humeur. Ok, Vénus, énergie féminine. Ok. Bon, on va être encore un petit peu dans les soucis. Mais c'est pas très très grave. On va faire un message. J'avais envie de commencer par la triade avant l'oracle des deux roses et peut-être les associer. On va aller voir ce qu'ils nous proposent. Alors là, j'ai vraiment pas de questions précises parce qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Ça aussi, on l'avait vu que les informations allaient être de plus en plus nombreuses, plus denses, plus incompréhensibles les unes que les autres. D'accord? Donc du coup, ben, on a du mal un petit peu à savoir par quelle information on va commencer, quelle est la plus importante, la moins importante, parce que tout est vraiment mélangé. Hein. Il y a toujours ces informations qui tournent au niveau de ce problème de... Comment je pourrais dire ça? Par rapport aux enfants et à cette éducation. Le mot d'après, je pense que vous l'avez deviné. Hein, il paraît qu'en Espagne, il y a eu des défilés d'enfants déguisés, je ne sais pas comment dire, habillés d'une façon très particulière. L'illusion, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'illusion, l'erreur, la lumière. Alors ici, on a cette notion de les masques ici tombent, suite ici à une erreur ici et l'arrivée ici derrière de la lumière. Ok? Alors, on va aller voir ici l'illusion de quoi, l'erreur par rapport à quoi, et la lumière, je ne ferai pas, non, je ferai pas une, je recouvrirai pas cette carte, c'est une carte positive, c'est une des plus fortes du jeu, j'ai pas besoin de la recouvrir. Par contre, on va aller voir où est-ce qu'elle se cache, cette illusion, où elle se cache, et l'erreur ici, quelle sera cette erreur, où se cache cette illusion, on me dit silence, les masques tombent, on me dit silence. Alors là, ça peut nous parler ben justement de notre attention. Okay? Les masques tombent et notre attention. Soyons attentifs. On n'est pas obligé de d'argumenter tout ce que l'on va voir ou tout ce que l'on va entendre. Le désert, on parle ici de quelque chose de désert, quelque chose où... Alors c'est marrant, hein, parce qu'ici j'ai cette carte ici de l'erreur, hein, donc de la pomme, hein, croquée, Adam et Ève, etc. Et aussi on a ici le désert. J'ai une notion d'origine un petit peu ici, je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai une notion ici d'origine, avant de passer la porte ici. Il y a quelque chose qui va être commis, une erreur qui va être faite, ok, et qui va tout remettre à plat, qui va tout raser. Hein? Voilà. On a fait l'erreur de, je sais pas moi, de planter des arbres au mauvais endroit. Ben, on ne peut pas enlever un seul arbre, même si les autres arbres se portent bien. Il y en a un qui n'est pas bien, il n'est pas à la bonne place, et ben on va tout couper. Ben, c'est un peu ça. Ils vont pas, il va pas y avoir de compromis en fait. On rase tout. Pourquoi? Pour ouvrir la possibilité à l'ouverture de quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que juste derrière cette ouverture, cette porte, ici, on a la lumière. Okay?
Donc je pense que ça a un rapport avec le tirage qu'on a fait tout à l'heure, avec le tirage en croix où on a cette nouvelle-là. On a aussi cette notion de rapidité, ok? Et soit je suis attentif, soit je ne suis pas attentif, ok? Et là, ici, avec la carte de silence, c'est soit je raconte tout ce que j'ai vu ou tout ce que j'ai entendu. Soit je me tais et j'observe, soit je suis dans l'observation, soit je garde l'info pour l'instant pour moi, d'accord? Soit j'attends ici que l'erreur elle arrive. En tout cas, il y a une notion d'inaction ici. Il y a une notion de d'immobilité, d'accord? Ok. Ben non, j'ai dit que je la recouvrais pas et puis je l'ai mise là. Bon, c'est pas grave, hein? Après cette porte. Et une épreuve, ben ouais, ça c'est les tracas et les soucis de tout à l'heure ici. Et une espèce d'échange, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, un échange. Alors là, c'est plutôt un échange, on va dire, commercial, hein, marchandises, marchandage, etc., etc. Moi, je pense que là, c'est plutôt l'échange d'informations. Ok? C'est vecteur l'eau, hein. Donc c'est vecteur d'information aussi. Hein. Voilà, ici on a, voilà, juste avant, je voulais absolument continuer sur cette colonne-là, voilà, parce que, bah, parce que voilà, parce que c'est, pour moi, c'est un peu plus logique maintenant. Donc derrière cette preuve, après avoir tout rasé, tout mis à plat, hein, ici, eh ben, ça va être une, ça, on va pouvoir passer une autre étape, on va pouvoir traverser cette porte-là, hein, une autre destinée, un autre projet, ok, ben oui, évidemment, ça va être compliqué, voilà, ça va être une épreuve pour tous, ok, ici, les échanges vont reprendre, mais je pense que ça va être des échanges, ça va être du partage aussi, des échanges de connaissances, des échanges d'informations, mais d'informations dans le bon sens, pour reconstruire, pour refaire quelque chose, pour apprendre, pour aller vers la lumière, pour apprendre la lumière et pour aller vers le beau. Aller vers le bonheur, aller vers le bon, vers la joie. Ok? Donc, très intéressant. Par contre, là, on nous dit bien, ça fait plusieurs fois ça que je le ressens, sur d'autres tirages aussi, je l'avais dit, me semble-t-il, que maintenant, on vous demande, là-haut, on vous demande de le laisser faire son travail. Donc, on nous demande de ne plus être. Autant énervé déjà, trop la colère, faudrait qu'elle tombe un petit peu aussi, parce que plus on est en colère, puis plus on nourrit l'ombre et pas la lumière, d'accord? Et voilà, laissez-nous faire. C'est le message que j'ai assez souvent en ce moment, laissez-nous faire. Observez, regardez les masques tomber les uns après les autres, profitez des révélations qui se font, hein, parce qu'elles se font. Alors évidemment, ils vont pas en faire tout un documentaire à la télé, hein, parce que c'est pas le but, mais ça se fait, d'accord? Et laissez-nous faire, ok? Bien, allez. Ici, on va continuer un petit peu, puis on ira voir pour ce petit bonus, donc par rapport à ce que l'une d'entre vous m'a posé comme question, à savoir au troisième conflit. Il me semble que je l'avais déjà fait il y a quelques mois déjà, je ne me souviens plus. On avait vu que non, mais les énergies effectivement bougent, les choses bougent. Donc on ira revoir ça tout à l'heure en fin de tirage. Ok? Allez, j'essaie de remélanger tout le paquet. Force physique, elle sort souvent cette carte. Bon, je l'ai retournée, mais elle n'a pas vraiment réellement sauté. Mais bon, allez, c'était par curiosité. Et vous avez vu quand même? Ah ben non. Vigilance, voilà. Vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure. Vigilance, voilà. On est vigilant, on essaye de choper la bonne information surtout, hein. Voilà. Et regardez, j'ai la transmission, c'est ce que je disais juste avant, hein, cette notion de maintenant, voilà, on laisse faire l'univers, ok, on laisse faire son job, ok, nous on attend juste quelque chose, c'est de transmettre. Une fois que tout sera à plat, on va pouvoir transmettre et rééchanger ici sur du bon, hein. Allez. J'ai beaucoup de cartes là, on va pouvoir en prendre 5.
Alors, les messages pour toi, oracle des deux roses. Qu'est-ce que tu as à nous dire? J'espère que vous y voyez. Alors, attendez. Parce que j'ai encore fait mon bazar, mais. Allez, et puis ça, je vais le mettre de côté, comme ça, j'aurai pas besoin. Et ça, je vais pouvoir le mettre plus par là, comme ça, vous allez un petit peu mieux voir, ok? Oui, c'est mieux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il y a encore quelque chose trop loin. La science va trop loin. Ça, on le sait déjà, ouais. Ok, il y a quelque chose qui va arriver, rejet. Il y a quelque chose, rejet, je la sors assez souvent, les U.S.A. Je la sors assez souvent, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là de temps en temps. On est entre le médicament et la science. Donc il y a quelque chose ici qui va être proposé. Qui va être proposé. Alors, un produit vraiment ici. On est plus que dans le. Ouais, vous n'y voyez rien, évidemment, parce que j'ai la lumière qui merdouille. C'est la carte de la licorne. Un petit peu psychédélique, un petit peu, voilà, je prends des substances qui me font voir des éléphants roses, hein, par exemple, ou des licornes, tout simplement, ok? Donc c'est assez, ouais, c'est assez particulier la chose qu'ils vont nous proposer, qui a un rapport ici avec la science, la chimie, etc., etc. Bon, on imagine un petit peu. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir, et je pense que c'est pas tout, les U.S.A. Alors, soit on va tirer une carte dessus, soit c'est eux qui vont le proposer, j'ai envie de dire un petit peu comme d'hab, et il va y avoir ici un rejet de la population, du peuple, ok? Soit il y aura, mais pas tout, pas tous, pas tout, il y aura des États qui vont absolument pas approuver ce dont on parle ici. Alors, c'est marrant parce que je sens quelque chose de vraiment. C'est marrant parce que c'est la science, mais je sens pas ça comme une substance à prendre. Je sens pas ça comme. Non, je sens ça comme carrément autre chose. Je sais pas, un outil ou. Plutôt un outil qui nous. Je sais pas, qui nous permettrait de. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose dans un outil qui permettrait ici d'être un petit peu dans le virtuel. J'ai cette sensation-là de virtuel. Habituellement, avec la licorne, je suis plus en lien avec les substances hein, qui nous font avoir des hallucinations. Enfin, vous avez compris. Là, j'ai plutôt cette sensation de prendre quelque chose ou de se servir de quelque chose pour aller dans une sorte de monde parallèle ou de monde virtuel. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, hein, j'en sais rien, mais ils sont tellement capables de tout que. Voilà. Et donc là, c'est soit proposé par par les U.S.A, et donc il y aura un rejet de beaucoup de personnes, soit il y aura quelques États hein, qui. Ça sera proposé par un autre pays. Ok, peut-être qu'il va sortir l'autre pays et ça sera rejeté par la plupart des États des U.S.A. Mais pas tous, hein. Il y en a qui vont kiffer, je crois. Alors, de quoi tu nous parles par rapport à la science qui va trop loin ici? Au niveau de la licorne, ici. Et ici, au niveau du rejet de U.S.A. Ouais, j'y ai pensé tout à l'heure à ça. Ah. Là, c'est plus la commercialisation. Il va y avoir un rejet de commercialisation. Parce que là, effectivement, ils vont aller trop loin. C'est un rapport avec la vieillesse et la jeunesse. Ok? Là, on est en train de faire quelque chose d'assez, pour moi, vraiment, vraiment, vraiment. Je crois qu'on ne l'aura jamais entendu. Je pense que ça peut faire partie du tirage en croix avec le jeu de 32. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Et là, je ressens bien l'inattendu. Même le plus que la stupéfaction. Plus que la surprise. Vraiment. Ouais. Et puis quelque chose de. J'entends choc choquant, évidemment. Il y a quelque chose, il y a un mélange qui va se faire avec la notion de. J'essaye de pas choquer parce que les mots que j'entends, je vous assure que c'est pas terrible. Hein. Mais avec quelque chose qui correspond
Ah, au vieillissement est quelque chose qui correspond au rajeunissement. Mais le rajeunissement, pas je prends quelque chose pour ma peau pour avoir moins de rides ou pour paraître plus jeune. Non, non, quelque chose à la base, quelque chose qui a un rapport avec la naissance. Et c'est un outil qui va permettre de faire ça. C'est terrible ce que j'entends. C'est presque une genre de procréation assistée à l'aide de cellules et d'ADN de personnes vivantes, mais vivantes, ok, mais âgées. C'est bizarre, hein? On retient ça, les amis, hein? J'espère que non, j'espère que je me trompe, hein, parce que là, c'est trop bizarre, hein? Vraiment. Mais il va y avoir ici, il y a des entreprises qui ne voudront pas le commercialiser. Ok? Quand est-ce que ça va se passer? J'en sais rien du tout. J'entends vos questions, hein, les amis. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Je ne sais pas si ça va se faire non plus, hein? Ça, c'est mes ressentis, j'en sais rien du tout. Hein? Mais j'espère que ça ne se fera pas, parce qu'alors là, franchement, c'est du n'importe quoi. Alors, on va relier les deux. On va relier ici la carte de la vieillesse et la carte de l'enfantement, hein? Donc de la création. Hein? Et ici, l'enfantement et l'entreprise. Un business, hein? Je vois c'est hyper bizarre. Hein. Je vois vraiment des. Non mais c'est hyper bizarre. Hein. J'essaye de trouver les mots, les amis. Ouais, en plus c'est ça. Non mais c'est hyper bizarre. Hein. C'est hyper bizarre et je sors cette carte. Hein. C'est vraiment un business, quoi. Et c'est vraiment ici pourquoi j'ai la carte de la gratitude. Parce que regardez, je donne une partie aussi de la jeunesse. C'est comme s'il y avait un transfert presque entre les deux. Et la gratitude, c'est parce que juste avant, je disais que c'est sur des personnes vivantes, des personnes vieillissantes, mais vivantes. Gratitude. Voyez, grâce à toi, je ne vais pas mourir. Grâce à toi, il y aura une trace de moi dans toi. Vous voyez le truc ou pas? C'est bizarre, hein? Et ben là, c'est bizarre, ben c'est bizarre, hein? Ben oui, voilà. Pourquoi je sors ça là maintenant, moi? C'est bizarre qu'aussi ça, quand même. Au suivant, ouais. Alors peut-être que cette info, elle va passer rapidement, sans qu'on y prenne garde. Enfin, il y en a qui vont quand même retenir l'info. Il y en a peut-être qui vont sortir l'info. Il y en a peut-être qui vont trouver des articles, etc., etc., etc. Cette carte-là me dit que, voilà, ça se fera pas. Mais on va en entendre parler. On va en entendre parler, ok? Hallucinant. Puis alors, toutes les cartes, elles se... Alors oui, il y a une partie ici de... Roth plus loin, chi plus loin 2. Ok. Et puis il y a aussi cette notion de rock, plus loin feu, plus loin l'air. Ok. Donc qui veulent commercialiser ça. Ok. Qui vont faire appel à des entreprises de marketing, faire de la pub, etc. Il y en a beaucoup qui vont trouver ça tellement chelou, tellement pas joli du tout, qui vont ne pas accepter. Ils vont essayer de faire passer une loi. Ok, j'entends loi. Ils vont essayer de faire passer une loi aussi qui va être rejetée. Ok. Donc la carte ici du rejet, ça, enfin, cette carte-là me rassure, hein, par rapport à cette carte ici du rejet. Eh ben, ils ont beaucoup de tracas, mais voilà. J'entends encore, laissez-nous faire. Ok, laissez-nous faire notre job. Allez, je vais faire le petit bonus. Donc pour l'une d'entre vous qui m'a posé cette question, est-ce qu'il va y avoir un troisième ici conflit? Alors on a vu que en UCA bah, ils veulent pas s'arrêter, on a vu que en Palès point qui plus loin de nœud, ils veulent bah, il y a encore des problèmes avec is.ra.l. Je suis obligée de coder, ça me saoule. Il y a beaucoup de pays qui commencent à s'agacer, à s'énerver, d'accord. Suite à ça, il y a encore ici les actions hein, des agriculteurs. Ça n'a pas bougé, hein, les amis. C'est toujours en cours. C'est moins fort que la première fois parce qu'ils en ont fait un show comme d'habitude. Hein, je parle des médias, bien entendu.
pour vite faire retomber le truc. Mais non, ça s'arrête pas encore. Hein. Ça s'arrête pas encore. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses, d'énergie, de conflit, d'énergie de colère, d'énergie de ras-le-bol, d'énergie de pouvoir, d'énergie de puissance aussi. Hein. Allez, je pense avoir bien. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur un éventuel troisième conflit mondial? En trois. Alors, avec ces trois cartes, je vois pas. Non, je pense pas. Par contre, il va y avoir une espèce d'évolution ici en ce qui concerne ben, la sécurité, l'insécurité. Donc beaucoup de vols à l'arraché, comme on dit, beaucoup de cambriolages, beaucoup de choses comme ça. La carte des excuses, je pense que c'est un message de l'oracle des deux roses pour nous, parce que j'ai l'impression que au niveau de ces énergies-là, de ce troisième conflit, c'est encore bloqué. Il n'y a pas vraiment de. Non, d'abord il faut rejeter déjà tout ce qui est poison. D'abord il faut s'occuper de ça. En fait, on est presque en train de nous dire ne vous occupez pas de ça. Enfin, c'est pas d'actualité ce problème-là, hein. Ce gros problème-là, c'est pas d'actualité pour nous sortir des autres choses. Ok? Presque on nous dit allons étape par étape. Par contre, effectivement, il va y avoir beaucoup d'insécurité dans les rues, hein. Ok. Et les excuses, c'est pour ça. C'est l'oracle des deux roses m'envoie un message pour me dire presque je sais pas. C'est pas le propos. C'est pas encore ça. Ce qui se passe dans les pays actuels, ça s'est toujours passé en fait. Hein? Alors pourquoi maintenant on va aller focaliser dessus? Il faut régler l'amont en fait. Hein? Le fait que on nous ait menti, le fait qu'on prend notre pognon pour acheter des armes, etc., etc. Le fait que ça sert aussi à fabriquer ça, hein, de partout. Voilà, c'est d'abord ça qu'il faut régler. Voilà, il faut rejeter un petit peu tout ça, voilà. Et puis il faut coopérer, hein, il faut. Et puis vous voyez, hein, ces silhouettes-là montent vraiment les bras vers le haut. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait. Hein? C'est ce qu'il faut faire. Il faut ici aussi arrêter d'obéir. Ok, nous sommes. Alors c'est marrant parce que lorsque l'on dit nous sommes désobéissants, en deux mots, ça ferait nous sommes déobéissants. D'accord? Donc en fait, il faut être des. Il faut rejeter. Ok? On nous a donné, on jette. On rejette. Hein? Donc par rapport à ça, je vois pas. Il faut s'occuper du reste d'abord, avant de pouvoir. Pour l'instant, les énergies, elles sont pas en ordre et en capacité de gérer ça, parce que ça l'a toujours plus ou moins géré en fait. Ça a toujours été là. Donc pour l'instant, il faut gérer les énergies d'avant en fait. Okay? Tout ce qui se passe avant pour arrêter et pouvoir reposer la question plus tard. Je vais quand même ici. Es-tu sûr qu'il n'y aura pas de troisième conflit? On va voir hein, si ces excuses c'est pour nous dire je ne sais pas encore ou excuse-moi je ne peux pas te répondre maintenant, etc. etc. Es-tu sûr qu'il n'y aura pas de troisième conflit? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que il y a trop de personnes fortunées qui risquent de perdre en fait. Donc pas pour l'instant. Pour l'instant, aussi, eux, ils s'occupent d'une chose, c'est de faire en sorte de continuer à gagner de l'argent illégalement. Okay? Et pour ça, il faut que les conflits qui sont actuellement présents, il faut qu'ils continuent, mais il ne faut pas qu'ils augmentent. Voilà. Okay? Ici, il y a une mutation.
Je pense plutôt à déplacement. Je sais pas pourquoi mutation, ça me parle pas des masses. Je pense plutôt à un déplacement, déplacement de fortune. Hein. Mais si c'était mondial, bah eux. Voilà. Là, on nous redit d'être observateur, d'observer un petit peu, de continuer quand même à être à l'écoute de ça, hein, d'accord? Ici, surtout par rapport à un homme. Hein. D'être vraiment à l'écoute de ça. Tout à l'heure, on a sorti l'énergie féminine un petit peu qui allait être chamboulée au niveau des émotions, au niveau des tracas, etc. Ici, on nous parle des énergies plus masculines, mais plus un homme pour le coup. Voilà, on nous dit de vraiment être attentif encore aux informations en ce qui concerne surtout les grosses fortunes. Et tout à l'heure, je le disais, hein, pour ce tirage-là, il faut d'abord qu'on s'occupe ici de récupérer l'argent, hein, qui circule. Hein. En fait, le troisième conflit, c'est pas d'actualité. Ils veulent nous faire croire pour nous faire peur, comme d'habitude, mais c'est pas d'actualité parce qu'il y aurait trop de choses en jeu pour les grosses fortunes. Dernière carte. Petit oiseau, ben j'en refais trois. Finitude. Ouais, faut attendre la fin ici. Il faut attendre la fin des personnes qui travaillent dans l'ombre, des petites mains, hein, comme je les appelle, les petites mains, les petits oiseaux ici qui travaillent dans l'ombre pour mettre fin ici à toutes les ambiguïtés. Donc ça aussi, ça ne sera pas réglé. Ça sort souvent en ce moment dans les tirages. Ça sort vraiment souvent, souvent, souvent. Ok? Avant de penser à un autre problème, il faut déjà pouvoir régler ceux qui sont là en fait. Ok? Alors je vous délivre, hein, les amis. Hein. Vous prenez pas. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Vous savez aussi que petit à petit, on arrive, hein, en faisant des tirages sur plus ou moins le même thème, en observant les évolutions, etc., qu'on arrive proche d'une certaine forme de vérité, ou en tout cas d'une certaine forme de délivrance, d'accord? Il est possible qu'il y ait une carte ou deux où j'ai mal interprété, où les ressentis n'ont pas été les bons. Ça arrive, hein, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, gardez quand même certaines informations qui vous parlent le plus et pour lesquelles vous attachez une plus grande importance. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'on se délivre, nous. On est, finalement, c'est comme si, avec cette carte d'excuse, on me disait, mais excusez-moi, au final, on y est déjà. Mais on ne se rend pas compte parce que je le dis, je le répète et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec ça. On est dans une guerre spirituelle. Ça, c'est évident. Hein. Donc on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, s'il y avait un troisième conflit, ça serait plus physique, plus matériel. D'accord? Mais là, c'est plus subtil et c'est plus, pour moi, c'est plus destructeur. Hein. Allez, on finit avec les métamorphes, pour savoir s'ils ont un message pour nous par rapport au tirage que l'on vient de faire ici. Nous avons parlé de quelque chose d'assez perturbant qui parlait, j'essaye de me souvenir, hein, qui parlait de genre de transfert d'outils, hein, sur une personne vieillissante, vivante, pour pouvoir créer, procréer une personne jeune, un truc un peu bizarre avec une licorne. Ensuite, on a vu avec le troisième conflit où on a entendu, où je vous ai transmis les messages, pardon, sur le fait que c'était pas le propos aujourd'hui, que peut-être on y était déjà sans le savoir, que c'était plus un conflit spirituel. Ok, on a vu aussi qu'on allait avoir quelques petits tracas, qu'il fallait être attentif, mais qu'il ne fallait pas bouger, qu'il fallait être immobile. Mais par contre, se focaliser sur la lumière. D'accord? On se focalise sur la lumière. Ok? Allez. Tu as entendu, oracle des métamorphes? On va le faire. Allez, on va le faire en trois parce que j'aime pas trop les chiffres pairs, mais. En trois, c'est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est parti. Loin, très loin de chez vous. Ok?
Vous êtes de nouveau libre et indépendant, Artémis de la forêt. Donc ça arrive bientôt, les amis. Hein. Eh oui. Hein. Et je renais, bah magnifique, je renais. Alors ici, loin, très loin de chez vous, comment je pourrais interpréter ça ou comment je la ressens? Peut-être par rapport au conflit dont on a parlé, on se dit pour l'instant c'est loin, très loin de chez nous. Ok, donc il faut plutôt se focaliser sur notre propre libération, hein, déjà donc corps et âme et esprit, etc. Voilà, de notre être, ok, que l'on retrouve ici. Hein, vous êtes de nouveau libre et indépendant ici, et enfin ici je renais. Donc c'est un petit peu comme si là les métamorphes nous proposaient une étape. Hein, l'étape ici loin, très loin de chez vous. Revenez par ici un petit peu, hein, revenez par ici. Elle est entourée ici avec des loups, d'accord, avec une certaine forme de protection. Peut-être qu'il aussi qui empêche. De partir trop loin dans nos appréhensions. Hein. Restons concentrés. Déjà, on a déjà quelques peurs, quelques soucis, quelques angoisses. On ne va pas encore s'en créer plus loin, en fait, hein, par rapport au troisième conflit. On va déjà garder, essayer de gérer ce qu'on a là près de chez nous, en fait. Okay. Ensuite, ici, vous êtes de nouveau libre et indépendant, voilà, par rapport à tous les rejets et à toutes les révélations qui sont en cours. Et enfin, ici, je renais, mais par rapport à cette porte que l'on traverse, malgré les épreuves à surmonter et cette lumière qui arrive. Ok, les amis? Voilà, mais je vous souhaite une très 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 bonne soirée. J'espère que vous allez prendre soin de vous et des personnes qui sont autour de vous, de vos arbres, de vos animaux, effectivement aussi, et que vous avez quelques rayons de soleil peut-être chez vous et que vous pouvez aller en profiter. Je ne sais pas si j'ai français ce que je viens de dire. Mais enfin, allez profiter, voilà, des premiers rayons de soleil, ça fait extrêmement du bien au moral et bien à tout le corps, hein, et à notre corps énergétique. Et puis je vous embrasse très fort et j'espère à demain. Voilà, si je rentre à peu près dans les mêmes horaires, ça devrait pouvoir se faire. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao.